2025 arrive à grands pas au Cameroun. Les élections présidentielles, législatives, municipales sont annoncées. Les partis politiques sont déjà en ordre de bataille dans leurs différents QG. Au RDPC, le secrétaire général du comité central, Jean Cu, était en tournée dans presque 10 régions du Cameroun. Le MRC a déjà confirmé sa participation aux élections et se mobilise également sur le terrain. Au PCRN, l'objectif du président Cabralibi, c'est de gagner la présidentielle de 2025 avec l'accent qui est mis, vous l'avez su, sur les inscriptions sur les listes électorales. Au SDF, le congrès électif est prévu les 27, 28, 29 octobre. Ça va certainement donner le ton pour les préparatifs dans ce parti du défunt Ni John Frundi pour mieux organiser la bataille électorale. Ces quelques partis et bien d'autres sont d'ores et déjà au travail sur le terrain pour redessiner, pourquoi pas, une nouvelle carte politique du pays. C'est donc la thématique centrale de ce jour 2025. Comment ça se prépare dans les partis politiques du Cameroun? Le panel a subi quelques modifications. Ce n'est pas véritablement ce que vous avez vu sur les affiches sur les pages Canal 2 International, dû aux indisponibilités des uns et des autres. On va donc dire merci aux invités de la dernière minute. Maître Achille Ledieu, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma chère Lille, bonsoir au copanel, bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF de Douala 2e, de Douala 3e et de l'arrondissement de Bazou, mon natal. Merci de l'invitation. On a un nouveau président régional pour le littoral OSDF, probablement Théophile. Oui. Il fallait s'y attendre, je ne pense pas, il fallait s'attendre à une élection bien courue, difficile, sous réserve de la validation des résultats de la commission du NEC pour le littoral par, bien sûr, le directoire, le NEC. Nous pouvons dire qu'au regard du dépouillement du scrutin à l'issue de la conférence régionale, de samedi dernier, effectivement, le camarade ancien maire de Douala 3e, Covenant Diop Théophile, est arrivé en tête avec 74 voix, suivi d'un autre camarade, 73 voix, et bien évidemment, suivant les règles, suivant le process au sein de mon parti, ces élections doivent être validées par le NEC pour que M. Diop Covenant puisse arborer véritablement ses attributs de président régional du SDF pour le littoral. D'accord, il présente d'ailleurs ses excuses aux téléspectateurs du débrief de l'actualité. Ce sera après le NEC qu'il aura officiellement la parole en tant que président régional du SDF. Donc on comprend, c'est la procédure dans les partis politiques. Elle est sociologue, enseignante. Elle aborde déjà la tenue du 5 octobre, mais ce n'est pas encore le jour. Docteur Marcel Simo, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais également. Bonsoir et bienvenue. Bien le bonsoir Lille, bonsoir au copalélise et permettez-moi, hein, vous l'aviez dit, j'aborde la tenue, c'est pas un fait du hasard, c'est qu'en prélude à la journée mondiale de l'enseignant qui sera célébrée le jeudi 5 octobre, une table ronde a été organisée ce jour au niveau de l'enfance joyeuse à Bonanjo, dont déjà je félicite une fois de plus tous les enseignants qui ont pris part à cette rencontre enrichissante qui a commencé à 14h et s'est achevée à 17h. Mm-hmm. C'était un plaisir. C'était quoi la thématique? La thématique, non, malheureusement, la thématique, elle est nationale. La thématique, la thématique exacte porte aussi, parce qu'il faudrait qu'à ce niveau-là, on soit très clair, les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons. Et il y a deux points qui sont mis en exergue, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants au Cameroun. Donc c'est une thématique extrêmement riche, je vous assure, et qui, j'ai envie de dire, influencée peut-être par OTS, OTA, TCT, il faut bien le dire, parce que...
c'est actualité oblige, donc c'est une thématique qui est influencée par tous ces éléments-là, pour montrer une fois de plus aux enseignants que leurs cris, leurs larmes n'entrent pas dans les oreilles des sourds. On verra ça le 5 octobre prochain, puisqu'il y aura un programme spécial débrief avec les enseignants sur ce plateau. Merci déjà aux enseignants qui ont accepté d'être présents ce jeudi prochain. Lui, il a plusieurs casquettes, il est radiologue, il est maire de la commune de Kondjok, il appartient au PCRN, le parti de Capral Libi, mais aujourd'hui il aborde plutôt la casquette de maire de la commune de Kondjok et militant très engagé du PCRN, Serge Alexis Lombat Dibak. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Aline et bonsoir aux panélistes et à vos nombreux téléspectateurs. Comment vous allez, la commune de Kondjok, tout se passe bien, il y a des routes là-bas, ça va? Oui, l'actualité c'est justement la route Bafan-Kondjok. Le gouvernement a décidé de mettre quelques moyens pour que les citoyens puissent arriver dans des conditions normales, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'arriver en voiture. Il faut emprunter la moto. C'est 15 000 francs sur 50 km. C'est quand même assez... Donc, on dit merci déjà pour cette promesse-là. Et puis maintenant, on espère que d'ici la fin du mois d'octobre, effectivement, ce projet va commencer. Peut-être ça va commencer avec vous, on peut rester avec vous. 2025, c'est dans quelques temps seulement. Et le président Capral Libi a pour objectif d'être président de la République en 2025. Ce sera déjà énorme, non? Oui, disons que c'est un rendez-vous. 2025 est un rendez-vous exceptionnel. Vous voyez bien ce qui se passe en Afrique. Parce que les gens ont l'impression toujours que dans leur pays, ils vivent en autarcie. Non. Le monde est un village dont il faut regarder ce qui se passe à côté et ailleurs pour pouvoir s'orienter de façon efficace. Vous avez bien vu que dans un pays voisin, on peut gagner les élections entre guillemets et la seconde d'après. Avoir un coup d'État qui vous permette même pas de jubiler. Même pas. Donc vous comprenez que 2025 se prépare. Mais on aime la vie un peu en désordre. Parce que 2025 est censé, les partis de l'opposition sont censés se mettre ensemble pour combattre la mastodonte et qui est en face. Je ne parle pas du docteur, je parle du parti, n'est-ce pas? La mastodonte qui est en face et qui mérite vraiment plus d'énergie qu'avant pour pouvoir combattre. Et moi j'ai dit cette fois-ci, il faut des thèmes aussi puissant comme l'indépendance, qui est un réel problème en Afrique et au Cameroun, comme la monnaie. Ce sont des thèmes qui n'ont pas l'habitude d'être évoqués par les partis politiques. Mais on ne peut pas vivre en autarcie dans un monde où on constate qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, avec d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Russie et tous ceux qui les suivent. Donc nous ne pouvons pas. 2025 ne peut pas être comme 2018, comme 2011 ou 2004. D'accord. Parce qu'il y a la souveraineté, la colonisation, le néocolonialisme qui reviennent aujourd'hui et dont nous ne pouvons pas faire comme si ça ne servait à rien. De toute façon, le PCRN se prépare dans les différentes communes, dans les départements pour affronter cette élection. D'accord. Ensemble avec les autres. Achille, c'est quand même au-delà de ce qui est dit, indépendance et tout le reste, il y a quand même une ambiance de faire de règne à ce moment avec un impact sur la société au sein des partis politiques de l'opposition. Ça devrait déjà être comme une alerte, non? Oui, d'un point de vue du Camerounais lambda, de l'observateur de la scène politique, l'on peut dire que ce qui se passe aujourd'hui au sein des formations politiques pourrait, je suis au conditionnel, être analysé comme étant avant-gardiste relativement à 2025. Mais si je veux parler comme militant et cadre du SDF, je dirais tout simplement que ce qui se passe au sein de ma formation politique est tout à fait naturel. Pourquoi? Parce que, en réalité, tous les mandats, ou alors les mandats de tous les exécutifs des organes du SDF étaient déjà arrivés à expiration. Il fallait donc renouveler les organes dirigeants de la base jusqu'au sommet. Nous avons commencé
avec le renouvellement des cellules, du vivant, bien sûr, du Tiamani John Fondi. On a continué avec les circonscriptions électorales, les coordinations. Aujourd'hui, après l'enterrement du Tiamani John Fondi, nous sommes en train de renouveler le mandat des régions. Pour ce qui est de la région du littoral, effectivement, samedi passé, la conférence régionale a dévoilé le visage ou les visages de nouveaux responsables régionaux du SDF pour ce qui est du littoral. Idem pour l'Ouest, pour la région de l'Ouest, et bien sûr, le coron des régions renouvelées étant atteint, nous pensons que valablement, pour le congrès d'octobre 2023, et c'est à l'issue justement de ce congrès que le Cameroun, l'opinion publique nationale et internationale pourrait, n'est-ce pas, savoir le nouveau chairman du SDF. Et bien évidemment, actuellement, ce sont les camps qui se neutralisent. Les équipes sont au travail pour essayer de convaincre les délégués, parce qu'il ne s'agit pas d'une élection de la base. Qui sont élus par les délégués. D'accord. Et je profite également de votre antenne, c'est une grande première. Rapidement, s'il vous plaît. Mm-hmm. Effectivement, pour dire Maître Le Dio, lui-même, mm-hmm. a un avenir national. Et vous on annoncez va... votre candidature pour 2025 Pour 2025 Pourquoi pas? Non, d'abord pour... Pardon? Non, c'est un secret de poésie. C'est je veux dire, c'est un secret de personne. Vous êtes candidat à la tête du Social Democratic Front? En réalité, j'avais l'intention d'être vice-président national du SDF, mais après des conciambules, je pense que je vais encore observer. Conseiller juridique national ne ferait de mal à personne. D'accord, on va suivre cette actualité de toutes les façons. Alors Marcel, nous sommes à 23 mois de la fin du régime du président Paul Biya et on a vu qu'à votre niveau RDPC, il y a des mobilisations, des appels, les appels du peuple et cette descente même de gens qui étaient sur le terrain pour remobiliser la base. Est-ce à dire que le champion reste sur place pour 2025? C'est pour ça que j'ai envie de dire, Lille, hein, avec beaucoup de sérieux, quand vous dites la fin du règne, c'est mieux de dire la fin d'un mandat. Un mandat présidentiel, c'est 7 ans, tout le monde sait. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'avait dit, vous vous souvenez, lors du sommet France-Afrique, c'est -3 ou -4. Il verra s'il va au village ou il reste en ville. Donc, c'est mieux. Quand vous dites fin du régime, ça donne une connotation. C'est bien sommet France-Afrique, non? Beaucoup. Non, c'était la dernière visite. La dernière visite, Emmanuel Macron, voilà. Au Cameroun. Voilà, donc, c'est mieux de dire la fin d'un mandat, un autre septennat, il faut bien le souligner. Et maintenant, ce qui est important, et là, ce que personne, aucun homme politique ne peut nier, c'est que 2025, j'ai envie de dire, est une année déterminante parce que c'est une année de, j'ai envie de dire, presque toutes les élections. Donc, il est important que chaque acteur politique se mobilise et surtout redouble d'efforts et d'énergie. C'est une évidence. Donc, 2025, c'est une année pas comme les autres. 2025, c'est une année où les acteurs politiques doivent... oui, le RDPC a un champion, ça tout le monde le sait. Oui, c'est un candidat naturel, selon, suivant nos tests. Mais maintenant, rassurez-vous, le RDPC est suffisamment préparé, le RDPC est suffisamment aguerri, le RDPC est en train de mettre les petits plats dans les grands pour qu'au soir de l'année 2025, les résultats soient en leur faveur. Donc, il est important que tout le monde se mette au travail, comme je l'ai souligné à l'entendre. Maintenant, vous verriez chez nous. On a peut-être parlé au niveau... Voilà. On a peut-être parlé tout à l'heure avec le SDF, avec leurs différentes mobilisations, mais vous devez également savoir que le RDPC a entamé ses activités depuis fort longtemps, c'est-à-dire avec les revenements des organes de blase au niveau des cellules jusqu'au niveau des sections et toutes les autres instances, dont
c'est un exercice qui devrait, n'est-ce pas, attirer l'attention de tous les acteurs politiques, parce que comme je l'ai dit, 2025, il y a du boulot, il y a du travail, et puis chacun devrait utiliser les armes nécessaires. Serge Alexis, il y a cette sortie de Eric Onanguini sur la Radio France Internationale qui a dit si Paul Biya se présente, il gagnerait encore en 2025 parce que l'opposition n'est pas suffisamment implantée, incapable de réunir la moitié des PV pour les dernières élections. Donc, vous comprenez ce positionnement du politologue? Oui, il aurait pu dire la même chose aussi pour le Gabon. Il aurait bien dit, puisque le PDG. Gabon, c'est pas le Gabon. Et puisque le PDG, c'est le RDPC, en termes d'influence, en termes de puissance politique, il aurait pu le dire non. Je ne veux pas dire hasardeux parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est prendre des Camerounais peut-être pour des cons, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais justifie le fait que le RDPC est implanté dans toutes les régions non. du Cameroun le PDG aussi était installé partout. Pourquoi on fait toujours ce lien-là? Parce que c'est deux pays frères, voisins, et qui ont les mêmes comportements. Mais exactement. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Et j'ai toujours expliqué plusieurs fois, on a vu en 1992 ici, l'Union pour le changement a entraîné ce qui s'est passé au Gabon. Même chose, c'est-à-dire qu'une déferlante de l'opposition et... Et on va dire un résultat assez serré qui prouve quand même que chaque fois que les opposants se mettent ensemble, on peut avoir un bon résultat. Il le dit par mimétisme. C'est-à-dire que par habitude, comme tout à l'heure, elle a dit que 2025 n'est pas exceptionnel en termes d'élection. Même en 2020, en 2018. Il y a les contextes et aujourd'hui. En 2018, on aurait dû avoir toutes les élections. Puisque l'élection. J'étais candidat en 2013. Donc, c'est la même chose. Mais le RDPC n'a jamais couplé et ne couplera pour des raisons que tout le monde connaît, des raisons stratégiques, parce que c'est compliqué de tricher. Vous annoncez quelque chose non. déjà là? Non, non, je vous dis, on sait comment ça se passe. Ils ne sont pas capables. Vous annoncez des élections anticipées en 2024? Non, je vous dis, ils ne sont pas capables. Ils sont pas... Moi, je dis, hein, ce qu'il dit, c'est il parle, le professeur, on parle de son expérience. La casquette politique. Voilà, le politologue. Voilà. Mais il y a le génie en politique. Et la politique, c'est ça le génie. C'est-à-dire qu'il faut des idées innovatrices qui peuvent faire en sorte que quelqu'un touche. Le RDPC est là parce que les Camerounais en veulent encore. Je vous le dis. Vous avez vu que si le peuple vous dégage, il vous dégage. Ça a été vrai en Tunisie, ça a été vrai au Gabon, ça a été vrai. Mais c'est pas le Cameroun. Non, le Cameroun. Les ministres vous ont dit, d'ailleurs, dans leur communication officielle, avec la sortie du porte-parole du gouvernement. Si vous écoutiez le Premier ministre Billy Binzié, quelques jours avant les élections, vous direz la même chose. Je vous dis, faites attention, faites attention. C'est bien d'être au pouvoir longtemps. Les opposants, s'ils veulent se mettre ensemble, je le dis sur tous les plateaux, je ne changerai pas aujourd'hui, s'ils se mettent véritablement ensemble, le RDPC ne peut rien. Moi-même, je suis un produit de l'opposition qui a gagné face, j'ai gagné face au RDPC, dans des conditions terribles. Donc ce n'est pas impossible. Mais il y a un problème d'organisation. Est-ce que vous pensez que le SDF seul, tel que je le vois là, le PCRN seul, même le MRC seul, peut gagner l'élection au Cameroun? Quel Camerounais idiot pour l'accepter? C'est pas possible. Donc, lui parle des PV, ça c'est un petit problème. C'est un petit problème qui peut être résolu. Il y a 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Je dis bien 25 000 bureaux de vote au Cameroun. Il faut que ces bureaux-là soient couverts. Et vous allez voir que ce qu'il dit peut être battu en brèche en quelques secondes. D'accord. Mais est-ce que, Achille, les partis politiques de l'opposition ont la capacité, ont les moyens face à une mastodonte comme le RDPC présenté tel quel aujourd'hui au regard de son implantation dans les 10 régions du Cameroun? On voit une mobilisation de leur côté, mais au sein de l'opposition, on se dit on ne sent pas encore une coalition, on ne sent pas encore une effervescence par rapport à l'échéance qui arrive. Est-ce que les partis politiques de l'opposition aujourd'hui ont les moyens pour pouvoir renverser la donne face au RDPC? Pris individuellement, je répondrai rapidement par la négative. Aucune formation politique aujourd'hui ne peut se dire capable de battre, je dis individuellement, le RDPC. Parce que le système, je parle bien, le système est monté de telle sorte que ça se passe ainsi. Et lorsque vous... D'où d'ailleurs notre plaidoyer,
que nous avons écumé les plateaux télévisuels. Le code électoral consensuel ? Non, pas le code électoral consensuel, mais plutôt une véritable coalition. Pour les partis de l'opposition. Pour challenger le RDPC. Avant de revenir là-dessus, je voudrais dire que la posture du politologue dont vous avez cité en réalité, c'est la posture de quelqu'un qui ne maîtrise pas le terrain. Faites la différenciation entre le politologue et le politique. Le s'unir n'est pas toujours gain de victoire, n'est pas toujours gage de victoire. La coalition ne veut pas dire que vous êtes appelé à une victoire certaine. Je vous dis, le système, il est très malicieux au Cameroun. Je prends des exemples. Moi, j'ai été candidat en 2013, le 30 septembre 2013. C'est où on a pu voir pour la première fois des élections couplées législatives et municipales, qui en réalité devaient trouver une année charnière en 2018, sauf que le président de la République a préféré organiser la présidentielle et a renvoyé à deux reprises, a prorogé à deux reprises le mandat des conseils municipaux et des autres, à deux reprises. Ce qui faisait que c'est un calcul politique, c'est quelqu'un, une seule personne au Cameroun qui détient l'agenda de la météo politique au Cameroun. Il fait ce qu'il veut, comme ça l'arrange. Ça, c'est les textes. Il est légaliste. C'est les textes. Donc le système est fait de telle sorte qu'il peut poser ses pions comme il veut, il peut jouer à l'échec comme il veut et damer toujours le pion. S'unir n'est pas gage de victoire, je le disais tout à l'heure, parce que quoi? C'est un véritable problème de programme et d'organisation. On peut s'unir, mais être tous des désordonnés. On peut s'unir et être en train de batailler pour les postes et tout le reste. À Douala deuxième, lors des élections municipales de 2020, j'avais encore été candidat, et nous avons mis sur pied une coalition. Nous l'avons appelée la coalition gagnante, qui regroupait 5 partis politiques de l'opposition, le PCRM, l'UDC, l'ANDP, le SDF et bien sûr l'UPC. Mais rendez-vous compte qu'en 2013, comprenez bien les chiffres, en 2013, 3 partis politiques ont leur résultat cumulé plus de 56%, c'est-à-dire le SDF, l'ANDP et l'UDC. Quand vous réunissez le résultat de ces partis-là, en 2013, ils ont 56%. Ça veut dire qu'en 2013, s'ils étaient réunis, ils tapaient le RDP, ça, la majorité absolue. Sauf qu'on vient donc sur la base de ces chiffres, on dit réunissons-nous, on se met ensemble. Et le système fait à ce que, effectivement, le RDPC nous gagne plutôt à la majorité absolue. C'est-à-dire, vous voyez un peu le triste sort. Un sous-préfet, le sous-préfet de Douala deuxième, celui qu'on venait d'affecter, qui est le premier à 23 heures de prendre un communiqué pour dire le RDPC a gagné à 58%. Nous sommes montés au chrono, c'est là que Elekam, dans sa diligature avec le RDPC toujours, a ramené, je crois, à 53-54%. Dans tous les cas, les carottes étaient cuites, c'était toujours le même résultat, c'est-à-dire la majorité absolue. Parlant des PV, je dis encore que ce politologue n'a pas pleinement raison. Parce que les PV, je reviens là-dessus, les PV qui disent la vérité ne sont pas les PV que mes représentants me donnent. Les PV qui disent la vérité, c'est la loi, c'est le code électoral. Les PV qui disent la vérité, c'est le PV de l'ECAM. Je vous renvoie à la missive incendiaire de l'ancien sous-préfet de Bazou, qui, interpellé, manipulé par le préfet d'Indé, ras-le-bol, avait mis à la lumière du jour, n'est-ce pas, le procès, c'est-à-dire, il a dit, ayant comptabilisé les voix du RDPC dans l'arrondissement de Bazou, le préfet d'Indé était mécontent du résultat, malgré qu'il gagnait à une large majorité un score soviétique. Il a appelé, je parle bien du préfet d'Indé, qui n'est pas celui-ci. Il a appelé, ce n'est pas moi qui le dis, je révèle. Ça, c'est bien compris. Alors, il a appelé le responsable Elekam,
de Bazou et le sous-préfet en disant « Ramenez à mon bureau rapidement tous les responsables de ces partis politiques qui étaient en compétition pour signer les nouveaux PV. » Voilà comment ça se passe. D'accord. Et ils sont allés signer. Ils sont allés signer. Alors, ils sont allés signer. Et si ce sous-préfet... Non, c'est très bien pour l'antenne de nos téléspectateurs. Parce que quand nous, chaque jour, on dit... Avec le système, c'est impossible. Les gens pensent que nous pleurnichons. Voilà un exemple qu'un administrateur civil a pu mettre à la lumière du jour. Et c'est bouche bée à base. Non, 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 on va pas faire le débat dessus, s'il vous plaît. Non. On aura l'occasion, oui. Écoutez, écoutez. Ce n'est pas l'objet du débat. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on n'embrouille pas les téléspectateurs. Tout à l'heure, il a commencé par dire que seul, on ne peut pas gagner. C'est ce qu'on doit retenir. Oui, ça c'est bon. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il nous a amené... Non, c'est ce qu'on doit retenir. Je vous rappelle aussi que pour mon élection, il y a eu le même process, mais les gens ne sont pas allés signer. Merci. C'est pour vous dire que... Mais je vous dis qu'il y a des faits. Il faudrait qu'il y a des exceptions. Si ça venait peut-être d'un administrateur civil, je ne sais pas de quelle partie, on aurait mis des points d'interrogation. C'est votre administrateur civil. Merci pour cette précision. C'est bon, ce n'était pas l'objet du débat. C'était juste une sortie du politologue sur cette possibilité de 2025 face à le RDPC. Mais vous profitez quand même du désordre qui se trouve au sein de l'opposition pour faire un jeu de positionnement et de maintien, non? Heureusement, Léla, que vous l'aviez souligné, mais je le dis Lille. Très souvent. Lille, je voilà. vous en prie. Bon, ressemblance parfaite. On ne nous dira pas non. Voilà. Donc, heureusement, Lille, que vous l'aviez si bien souligné. Mais ce qu'il faut relever, lorsqu'on parle de politique, c'est un jeu d'acteurs en fonction des enjeux. Et à chaque fois, moi, j'ai du plaisir à voir certains acteurs d'opposition, comme on les appelle très souvent, commencer à pleurnicher, c'est ci et ça. Et moi, je leur dis toujours, bien que étant de l'autre côté, je leur dis toujours, en pleurant, ça ne sert à rien. Heureusement, nous avons sur le plateau un élu de notre pays qui est passé à une élection et je crois qu'il n'était pas seul sur la liste des candidats. Non, il a bataillé avec des citoyens, il a bataillé avec le RDPC, il a bataillé avec SI et il est finalement maire de sa localité. Donc ça montre qu'il a réussi à développer des stratégies. Et d'ailleurs, généralement, je les invite à lire l'acteur Le Système de Michel Crozet. Chaque fois que je les entends pleurer, et les camés avec vous, les préfets sont avec vous, les sous-préfets sont avec vous. Je dis parfois... Non, si c'était vrai, ou alors si on s'appuyait sur elle et Camille avec vous, les mères avec vous, moi je me posais la question, mais qu'est-ce qui te pousserait donc à aller te présenter à une élection? Si tu sais qu'elle est Camille avec eux, il vient de vous dire, monsieur le duc, que je respecte tant, il a été candidat en 2013, ça je le sais, il a été en 2000 machin. Alors s'il sait qu'elle est Camille, si Camille, je ne sais pas trop quoi, tout est avec nous, donc il a beaucoup d'argent à perdre. Non, je pense que. Je ne pose pas les questions. Je veux dire, est-ce qu'il peut. Est-ce qu'elle peut expliquer le process de la commission locale de recensement jusqu'à au niveau de la... S'il vous plaît, je veux dire de la cour... Non, on ne va pas revenir. Vous savez que je suis chargée de mission, monsieur le duc, ça vous le savez. Non, est-ce que vous pouvez être chargée de mission sans connaître le process? S'il vous plaît, un peu de discipline sur ce plateau, on va revenir sur ce qui est passé. Nous sommes en 2023, on prépare 2025, on ne va pas revenir, sortir les demandes. Si vous ne savez pas où vous sortez, c'est grave. On aura l'occasion de revenir vers le bilan, mais là on est en train de parler de 2025 qui arrive. Pourquoi alors c'est si difficile au RDPC qui est en face de pouvoir accepter cette proposition de modification du code électoral avec l'apport des partis de l'opposition pour des élections libres et transparentes? L'excellente question, mais ce que je veux, parce que j'allais d'ailleurs arriver à ce niveau-là sans me rendre compte que c'est une de vos questions, il est important que les partis dits de l'opposition comprennent quelque chose. On a aujourd'hui sur la scène politique, cette bagarre au niveau même de ces partis d'opposition qui, à un moment, on se dit, ils ne savent même plus à qui donner les coups de poing. Aujourd'hui, on a des partis, des gens qui vont dire, je suis le premier parti de l'opposition, je suis le deuxième, je suis le troisième. Non.
on peut occulter ou alors on peut mettre à l'archive ou alors à la tête du RDPC, ils ont des facilités, ci et ça, mais on ne peut pas occulter un parti politique qui a roulé sa bouche pendant 40 années. D'ailleurs, vous l'aviez vous-même souligné à l'entame, un parti qui est implanté sur tout le territoire national. Et c'était tout ce que vous allez dire, les chefs de terre et les chefs de mer, tout ce que vous voulez. Il y a d'abord le fait qu'on parle quand même d'un parti qui a 40 ans d'existence. Ça veut dire un parti qui a à la limite même donné naissance à toute cette opposition. Moi, je leur dis souvent, lorsque vous regardez tous ces leaders d'opposition, la majorité... Vous avez même créé le Cameroun. La majorité, non, non, je vous en prie. Vous l'avez même créé le Cameroun. Vous êtes d'accord? La majorité de ces leaders d'opposition sont ici du RDPC. Il ne va pas me dire non. Donc, aujourd'hui, mais lorsqu'ils changent de camp, ils se comportent comme sont devenus des super hommes, des super intelligents, des super génies, des super... Non, je leur dis souvent vraiment, bien qu'étant du régime en place, mettez-vous au travail, développez des stratégies, faites vraiment de la politique, parce qu'il faut le dire, faites vraiment de la vraie politique et vous finirez un jour par grappiller quelques postes au niveau de l'État du Cameroun. C'est ce qui est important. Mais à chaque fois que vous dites l'État est avec vous, si, avec vous, ça, avec vous, au finish, on va vous dire ben, c'est pas un voix bébé tout de même où on viendra applaudir parce que Maître Lodio a voulu être aussi. Non, battez-vous et vous auriez ce que vous méritez. Alexis, merci pour ça. Ça fait 40 ans quand même que le RDPC est au pouvoir. L'opposition devait apprendre de ses erreurs et trouver d'autres stratégies parce que jusqu'à présent, rien ne se dessine au sein de l'opposition. On voit un peu, par exemple, Cabral Ibi qui vous dit « je vais être président en 2025 ». On voit tel autre parti « je vais être candidat ». On ne sent pas une véritable, un esprit de coalition de se mettre ensemble pour affronter, peu importe le candidat du RDPC qui sera en face. Non, non vous savez, moi je ne pleurniche pas en face du RDPC. Je ne pleurniche pas. Vous savez, il y a un problème de rapport de force. Et ce n'est pas parce que vous avez changé le code électoral. Ça ne change pas l'esprit des gens. Mais ouais, c'est quand même, savez, on commence par ça, non? Je vous dis, je suis en train de vous dire que il y en a même qui mettent ça, qui font ça, mettent ça à côté. Est-ce que en Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a eu une guerre post-électorale? Mais tout le monde a appris. Tous les partis étaient même dans la commission, dans ce qu'on a appelé la CI, la commission indépendance et territoriale indépendante. Tout le monde était dedans. C'est un problème d'esprit, c'est un problème de rapport de force. Je vous prends un exemple simple. Vous avez parfois on occulte des choses simples. Mais quand on prend le bilan du RDPC, c'est par là qu'il faut commencer. Il est guérilogieux. Parfois, les gens laissent des petites choses pour se jeter dans des choses qui font en sorte que finalement, on perd tout. Le RDPC ne fait plus peur à personne. Mais sauf que c'est une machine qui est huilée. C'est-à-dire que qui a des réflexes. Mais comment est-ce que vous vous préparez donc à votre niveau pour déshuiler cette machine-là? La première des choses, nous avons pris des mairies dont nous allons faire le bilan. Vous savez, il faut que la politique n'est pas seulement sur les plateaux politiques, sur les plateaux de télévision. Ce que vous réalisez, vous allez mettre ça à la disposition des Camerounais. C'est ça. Un élu local, est-ce que tu as pu changer la vie des populations? Est-ce que tu as pu le faire? C'est ça. C'est ça qui prouve que vous êtes parti de là et vous allez à un autre niveau. Et c'est ça que nous voulons démontrer. Nous disons que, et je le répète partout, quand vous regardez le RDPC, la vision c'est quoi? La vision c'est quoi? Vous dites 40 ans, après 40 ans, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est l'espérance? Quel est l'espoir? C'est ça dont les Camerounais ont besoin. Et on a réussi à mettre un système où tous les Camerounais sont corrompus. Moi j'étais sur un plateau il y a quelques semaines avec un avocat qui disait qu'il faut tuer les Camerounais à partir de 8 ans. Bon, moi, ça m'a fait rire. C'est pour dire que tout le monde est corrompu. Tout le monde aime la vie facile. Et c'est un système que le RDPC nous a fourni. Mais non, vous, donc, à votre niveau... Je suis en train de vous dire que si vous prenez le nombre de comités de base au niveau du PCRN, c'est un travail énorme. Même si on pense que le PCRN n'est pas trop différent du RDPC. En hein? quoi? On parle des grands en frais. Je prends un exemple. Le RDPC, en 60 ans,
encore job, ni eau, ni électricité, rien. 60 ans. 60 ans. En 4 ans, le centre-ville est goudronné, pavé, avec des caniveaux et de l'eau pour tout le monde. Vous voulez quel genre de comparaison? C'est pas le bavardage. Il y a des images. Si vous voulez inviter moi, je viens avec des images et on en parle. Dans notre correspondant est sur la zone, ne t'inquiète pas. Si vous voulez seulement comparer ça, et c'est comme ça qu'on fait de la politique. Je connais tous ceux qui ont été maires de ma ville. C'est moi qui ai mis les effigies à la mairie. D'accord. On peut témoigner. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est pas le bavardage. D'accord. C'est les faits. D'accord. Donc nous aujourd'hui, si vous allez partout, vous allez voir à Massoc, allez voir. Mais on n'a pas les moyens comme le RDPC. On utilise les moyens qu'on nous donne pour travailler. D'accord. Ce n'est pas nous qui régulons, on n'est pas les marchés qu'il faut donner à telle ou telle commune. D'accord. Donc aujourd'hui, si vous voulez, nous avons un bilan à défendre, je l'ai dit tout à l'heure. Mais est-ce que le PCN est prêt à travailler avec d'autres partis de l'opposition pour avoir un candidat? Mais nous le disons et c'est ce qui va se passer. Parce que si on a quelqu'un, peut-être qu'il dit qu'il va être président, mais ça veut dire qu'il s'est choisi à la candidat de l'opposition. Il va être président. Comme au RDPC, il y a plusieurs personnes qui veulent être président. Mais comme le président respire encore, ils n'ont pas le courage de le dire. Vous comprenez? Ça existe partout. Même si, excusez-moi de le mettre sur le Gabon, il y avait 9 candidats. Tous ont créé un seul c'est candidat. Pour le Gabon, hein. Parce que le Gabon nous parle, pas en termes de coup d'État naturellement. On n'en veut pas. Mais je dis que si le Gabon, qui était aussi divisé, on peut se mettre ensemble pour dire que c'est M. Untel qui nous représente à l'élection, ce sera pas la fin du monde. Et je rappelle qu'en 2018, c'est M. Cabral Déby qui est parti vers le professeur Kanto. Peut-être vous ne le savez pas. Non, on le sait, hein. On sait comment ça se passe. Donc, c'est pour vous dire que. Sauf qu'après, on ne le reconnaît plus. Ah non, je ne veux pas revenir dessus parce que c'est derrière nous. Et aujourd'hui. Il faut avancer. Il faut montrer notre visage. Et j'espère que le SDF qui est à côté et le MRC, on pourra se parler. Vous savez, regardez ce qui s'est passé au Gabon. Excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi de revenir. Alexis, excusez-moi. Je vais vous permettre de revenir. Je vais revenir pourquoi? Je reviens parce que. Non, écoutez. Non, je ne parle pas, je parle ici à mon nom personnel. Non, s'il vous plaît, je ne voudrais pas parler à votre nom personnel. Non, pourquoi? S'il vous plaît, attendez d'abord. Je vais aller. Permettez-moi. S'il vous plaît, je reviens vous revenir. Pour vous expliquer pourquoi. Pour vous expliquer pourquoi. Non, je dois vous expliquer. Non. Pourquoi est-ce que les gens doivent se mettre ensemble? Non. Je vais vous expliquer. Non, s'il vous plaît. Vous allez revenir là-dessus après. Prenez votre respiration. Si vous m'appelez pour museler. Non, je ne vous ai pas muselé. J'aurai le temps de parole tout à l'heure, mais je voudrais qu'on avance un peu sur le sujet. Mais il faut rester cohérent. Je veux rester cohérent. Il n'y a pas de souci. On a compris, on vous le conseille. Vous avez peur du Gabon comme ça? Non, on n'a pas peur du Gabon. C'est pas du tout. Rassurez-vous. Mais je comprends. On n'a pas peur du Gabon. Vous ne comprenez rien du tout. Je comprends la ligne éditoriale. Vous ne comprenez rien du tout parce que c'est un problème de ligne éditoriale. Vous ne savez pas sur ce plateau. Ah oui, si vous pouvez m'inviter et que ce soit doux. Je vous ai. Non. Tant que je suis doux. Pourquoi? Monsieur Leu est en train de parler, s'exprimer. Est-ce qu'on l'a blâmé sur ce plateau? Surtout pas. Rassurez-vous, on ne blâme personne sur ce plateau, mais permettez qu'on avance dans le débat. Vous pouvez revenir sur votre analyse tout à l'heure. Alors, il y a des scénarios possibles, Achille, pour 2025. Paul Biya maintenu, son fils, par exemple, qui est très cité, ou un autre homme nouveau qui viendrait de la coalition de l'opposition. Ce sont des scénarios qui sont possibles actuellement. Il faut dire que vous avez vraiment bien préparé cette émission. Il y a l'impression. Aucun cas de figure pour moi, sincèrement. Aucun cas de figure. D'abord, je vais aller au cas par cas. Pour ce qui est du fils de l'autre, il ne faut même pas tenter les Camerounais. Il n'y avait pas, donc les Camerounais ont assez supporté comme ça. Balayer d'abord ce cas de figure. Le deuxième scénario, c'est Paul Biya. Et ça me permet de renchérir sur le propos de la représentante du RDPC, Dr Marcel Simon, qui tout à l'heure s'offusquait de ce qu'on ne devrait pas parler de fin de règne. En réalité, le patriarche Paul Biya doit aller se reposer. La fin de règne de Biya pourrait ne pas être la fin de règne du RDPC. Laissez ce patriarche aller se reposer. Arrêtez avec vos affaires de motion, d'appel de cité. Laissez-le aller se reposer. La charge présidentielle aujourd'hui serait, je suis au conditionnel, très lourde pour lui, pour que les Camerounais lui donnent encore 7 ans supplémentaires.
que ceux qui, dans des antichambres, dans des chaumières, montent des appels à candidature, essaient de se ressaisir. Le dernier cas, vous avez parlé d'un... Un homme nouveau qui serait le produit d'une coalition. Pour ma part, je continue de dire que l'opposition camerounaise doit s'unir, doit faire bloc pour affronter pour la mastodonte RDPC. C'est une mastodonte, n'ayons pas peur des mots. L'opposition aujourd'hui de tous bords doit faire tout et tout afin qu'on assiste à autre chose. Et pour qu'on assiste à autre chose, il faut absolument s'unir. Ayant dit ça, je vais vous dire que ce serait très difficile qu'on arrive en 2025 avec un candidat unique de l'opposition. Pourquoi? Connaissant l'égoïsme des leaders politiques, de nos leaders politiques de l'opposition, ce serait très dur qu'on arrive là. C'est notre choix à nous tous. Vous n'allez voir aucun représentant d'un parti politique. Vous n'allez voir aucun leader politique de l'opposition, bien sûr, vous dire qu'il est contre une coalition de l'opposition. Mais dans les faits, ce serait très difficile, je ne veux pas dire impossible, ce serait très difficile. Parce que pour arrondir les angles, les conciambules seraient âpres. Les consensus dont je vous le dis, ce serait très difficile, mais pas impossible. Mais pour ce qui est de des municipales et des législatives, c'est obligé. Vous allez voir que les partis politiques, naturellement, vont former des blocs, des coalitions, tout naturellement comme ça, sans forcer. Et pour ce qui, que ce soit de Douala deuxième, Douala troisième, il y aura des coalitions indépendamment de ce que la tête du parti pensera. Parce que là, c'est ce qu'on appelle les élections de proximité. Nous faisons ce que nous pensons bien pour nos administrés. Là-bas, le débat ne se poserait pas. Au niveau de la présidentielle, vous allez nous appeler après, soit pour parler, comme aujourd'hui, des discussions âpres qui auraient amené au choix d'un candidat, ou alors de cette discussion qui aurait accouché d'une souris. Mais pour ma part, je reste persuadé que je suis et je reste du camp de ceux qui pensent qu'il faut absolument un seul candidat pour challenger le candidat du RDPC. Mais pourquoi au RDPC vous ne voulez pas sortir d'autres candidats? Pourquoi insister sur l'appel du peuple, motion de soutien, meeting par-ci, par-là, pour amener les Camerounais qui ont une autre voix également? Il y a des gens au sein du RDPC qui pourraient, qui peuvent même mieux gérer le pays. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours dans cette structure de candidat naturel? Lily, j'ai envie de dire qu'il ne faudrait pas vous comporter comme... Je pose des questions ici. Oui, j'ai bien envie de le dire, il ne faudrait pas parce que... On a, et tout à l'heure, à l'entame même de mon propos, j'ai parlé de mandat qui n'est pas terminé et nous savons tous qu'il s'agissait à 7 ans. Oui, on pense à l'avenir. Lorsqu'on pense à l'avenir, on émet des hypothèses. Et d'ailleurs, je vous ai dit à l'entame, vous, je n'ai pas. Le RDPC travaille énormément. Moi, j'ai vu comment mon frère Lezio a été un peu gêné lorsqu'on vous parle de certains citoyens qui devraient être présidents, fussent-ils fils du chef de l'État ou pas. Je dis, mais attention, comment des gens peuvent réagir de cette manière? On a devant nous des Camerounais. Moi, hier, j'ai appris qu'il y a eu une élection interne au sein du RDPC où un certain Guépi est sorti secrétaire général du SDF, ou un certain Guépi est sorti secrétaire général de la communication. Ça peut arriver. Secrétaire général de la communication du littoral au SDF. Je ne peux pas, moi, militant du MRC, du RDPC, venir... Il n'y a pas de confusion possible. Qu'est-ce qui arrive, il n'y a rien. C'est que on est dans un parti politique, on me dit, voilà, il y a eu élection, il y a eu rencontre tel jour, et voilà le résultat. Et moi, militant d'un autre parti politique, je viens commencer à questionner pourquoi X, pourquoi Y. Non, je crois que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai à faire, c'est que si je veux le même poste, je mets les moyens, je mets les stratégies, je développe des ressources pour les avoir. Donc, la problématique aujourd'hui, j'ai observé depuis un certain temps une certaine phobie que les hommes politiques de l'opposition ont développé par rapport
à un certain candidat du RDPC qu'ils ont délibérément choisi. Parce que quand vous observez, depuis qu'on a commencé à parler de la problématique de son excellence pour bien va se représenter aux élections ou pas, on a commencé à vous dire non, il y a France ici, il y a France là. Quand vous observez le schéma politique au Cameroun, c'est l'opposition qui met sur la table la problématique de France bien depuis le commencement. Le RDPC ne dit non, c'est un mouvement. Le franquisme est un mouvement. Je vous dis, quand vous observez. Jusqu'à présent, c'est. Quand vous observez le schéma, c'est l'opposition qui met sur la plateforme la problématique de Flambia. Et lorsqu'on pousse même le raisonnement plus loin, je leur dis souvent, bah, attendez, Flambia, c'est un Tchadien, c'est un Italien, ou encore un Américain, il est libre de se présenter. Mm-hmm. Maintenant que les personnes qui vont les lire, les personnes qui vont, les potentiels... C'est un nouveau congrès, peut-être, non? Oui, Neva, non. Quel congrès? Oui, Neva... S'il vous plaît. Non, non, Achille, vraiment, s'il vous plaît. Laissez madame s'exprimer, s'il vous plaît. Donc, elle a respecté votre temps de parole. Donc, il est extrêmement rassuré. Il est libre parce qu'il est un Camerounais comme M. Lodjo, comme ses candidats du SDF, comme l'honorable Kaba Libi, comme. Non, je prends leur tels différents leaders. Donc, il est un citoyen camerounais comme tout le monde. Donc, maintenant, s'il n'est pas. Apprécié des populations. Heureusement que le peuple a une manière de manifester son mécontentement. Donc ça ne sert à rien à un leader politique de se lever et de dire non, vraiment, qui ne nous amène pas ça. Comme si c'était un marché, vous voyez un peu, on a l'impression qu'on est dans un marché où on choisit baigner, on ne choisit pas baigner. Non, on passe à une élection, mettez-vous au travail. Et comme je dis, je l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous au travail. Et si vous méritez un pot, si vous réussissez. À graguer le peuple camerounais qui nous écoute ce matin, il vous élira. C'est comme ça. Vous pouvez aller, s'il vous plaît. Permettez donc au maire de parler. Je ne vous ai pas muselé sur ce plateau. Vous avez la possibilité maintenant de réagir. Sauf que quand vous coupez les gens, je vais maintenant parler de quelque chose qui était cohérent par rapport à quelque chose. Donc, non, allez-y. Non, parce que ce que je veux dire, c'est que la coalition, normalement, au Cameroun, je pense l'avoir dit une fois sur une radio, c'est pour mener en vérité une transition. C'est ça. Franchement. Mm-hmm. Parce que, et c'est même ça qui peut favoriser une coalition. Mm-hmm. C'est-à-dire un gouvernement d'union, de l'opposition, avec un leader qui choisit, qui fera. Quelques années pour pouvoir c'est-à-dire tout ce que nous demandons là depuis deux tours, parce que les gens font ça, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient qu'il faut faire deux tours. Ils oublient. Donc pour moi, une coalition, c'est pas pour n'importe quoi. Une coalition, c'est avec des objectifs précis, parce que l'objectif de la coalition d'abord, c'est de changer d'air. En vérité, les débats de franquistes, tout ça là, moi je ne parle même pas des choses comme ça, parce que la politique, c'est sur le terrain. Vous comprenez? Bon, quand je vais encore vous parler des âmes du Gabon. Allez-y, vous avez dit qu'on va pas vous amuser sur ce plateau. Non, il y a le fils qui a fait 14 ans, mais on l'a bien dégagé. Alors, vous voulez bien que le Gabon parle au Cameroun? Non, je vais comparer parce que on a l'habitude de dire qu'en Afrique centrale, les choses ne bougeront jamais. Ah, mais oui, c'est ce que tout le monde dit. Effectivement. Comparer l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, vous allez voir. Mais comment vous vous organisez au sein de votre parti, le PCRL, pouvoir changer des choses parce qu'on connaît Kaba Libi, nous parlons. Moi, je parle avec le MLC, je parle avec le SDF. Je parle avec eux. Comme beaucoup de mes camarades parlent avec eux. Vous avez demandé aux personnes de s'inscrire sur les listes électorales pour procéder au vote. Mais bien sûr, parce qu'il faut. Bien sûr, parce qu'il faut. Et je vous assure qu'à 100%, ce n'est pas forcément. Parce qu'il y a 11 millions ou 25 millions qui est un changement. Vous comprenez? Il faut que vous le sachiez. Je vous dis, c'est le rapport de force. Vous n'allez pas changer. Ce sont les mêmes Camerounais qui vont aller lire. D'accord. Ça, c'est important de le dire. Mm-hmm. Parce qu'on a l'impression que, oui, parfois, on va aller créer. On ne va pas créer des Camerounais. Les mêmes Français, les mêmes Allemands qui votent en fonction du pouvoir qu'on vous a donné, que vous n'avez pas été capable de transformer. La vie des gens, les gens vous retirent le pouvoir. Même comme jusqu'à présent, on ne sait pas combien de Camerounais existent, hein, puisque le recensement nous a. Ah ben, on parle de 27 millions. Vous savez, au-delà des chiffres officiels, il y a des calculs qui permettent de savoir à quel niveau nous sommes. Il y a à peu près 27 millions et demi de Camerounais aujourd'hui dans les évaluations. Par rapport à 7 millions d'électeurs, vous comprenez qu'il y a un vrai problème.
les chiffres restent statiques. Mais oui, j'insiste, puisque vous parlez de 2025, j'insiste sur le fait que il faut avoir des thèmes qui correspondent au ressenti des Camerounais. C'est important. Vous comprenez? D'accord. Si vous êtes Camerounais, vous êtes homme d'affaires, vous voyez que vous êtes incapable de transférer 5 millions, 10 millions à l'étranger. C'est un problème. De quoi? C'est un problème de monnaie. D'accord? Mais vous avez vu, depuis que vous êtes journaliste, de mémoire journaliste, vous avez vu quel... Depuis qu'on chante partout que le franc CFA nous empêche de nous développer, vous avez vu quel homme politique camerounais venu s'asseoir pour vous dire que moi, si je suis élu, je change le franc CFA. Pourquoi? La Guinée a le franc CFA, a son franc guinéen depuis 1960. Personne n'est mort là-bas. Le Nigeria. Mais le Nigeria, on peut citer le Ghana, on peut citer beaucoup de pays. Mais vous avez vu, donc ça veut dire que tous les politiciens qui sont là, y compris le RDPC, ils sont d'accord avec cette monnaie-là qui nous fout dans la pauvreté, en réalité. D'accord. Avec la moitié de nos recettes extérieures qui sont bloquées à Paris et qui sont transformées sous forme d'aide au développement. Et nous sommes tous contents. Vous avez vu des mal, le Burkina dit, j'en veux plus. Et vous partez avec votre argent. Mais en fait, ce n'est même pas l'argent des Français, c'est l'argent du peuple burkinabé. C'est tout. D'accord, on va faire le dernier tour de table sur ce plateau. Je commence par vous, Achille. Ça bourdonne déjà en face au RDPC avec des réunions qui se multiplient, des appels au soutien. Est-ce qu'il y a le message qu'il faudrait retenir au sein de l'opposition, au-delà d'appeler tout le monde à se mettre ensemble, même si vous n'y croyez pas beaucoup? Je suis réaliste. C'est pas que je n'y crois pas beaucoup. C'est une façon pour moi d'appeler les leaders des partis politiques de l'opposition de mettre de côté les égoïsmes et de comprendre que 2025 devrait être une année charnière. Peut-être avant, hein, parce que Alexis parlait tout à l'heure de peut-être une possibilité d'anticipation. Oui, tout est possible. Hein. À l'état actuel, tout est possible. Les états-majors des partis politiques doivent être prêts pour toute éventualité électorale. Également, les responsables des partis politiques doivent absolument se retrouver. Il ne faut pas seulement attendre quand on va programmer les élections pour commencer les réunions de concertation et autres. Vraiment, pour ce qui est de la présidentielle, tous les Camerounais, bref, dans leur grande majorité, aimeraient que l'on ait en face du candidat du RDPC un candidat de l'opposition coalisée. Et je voudrais... un bon programme aussi. Oui, c'est qui est sûr, si on prend un peu dans le PCRN, un peu dans le SDF, D'accord. le MRC, on va faire un bon package. D'accord. Alors, je ne dis pas que Franck Bia n'est pas Camerounais. Non. Franck Bia, c'est un Camerounais. Il joue de ses droits civiques et politiques. Maintenant, ce que je dis, ne le présentez pas sous le prisme d'une succession. D'accord, ou alors d'un arrangement. Merci, ça ne passera pas. D'accord. Alors Alexis, vous, comment on fait pour être ensemble pour 2025, pour qu'on ne nous dise plus que l'opposition n'est pas suffisamment préparée pour affronter le RDPC en fait? Non, non. L'opposition se prépare. Mais il faut, comme il a dit, des leaders. Chacun, vous savez... Être président, c'est quelque chose de personnel. D'accord? C'est quelque chose de personnel. Donc, parfois, dit, je laisse d'abord l'autre. C'est compliqué. C'est compliqué. Compliqué. Mais pourtant, tout le monde ne peut pas être président. Et rien ne te garantit que, parce que tu seras à la tête, c'est toi qui seras président. C'est ça. Donc, il y a cette humilité-là à dire, déjà, moi qui suis président, je me mets au service des autres. Pas pour piétiner les autres. Parce que ce que on voit souvent en Afrique de l'Ouest, c'est que quand les gens font des coalitions, ils donnent un nom et après, c'est compliqué. Ils suivent. Mais chez nous, il faut qu'on apprenne l'humilité, il faut qu'il y ait un programme commun exposé aux Camerounais. Mieux l'expliquer aussi. Il faut bien expliquer ce qu'on veut faire et les gens n'adhèrent que à ce type de coalition. Si c'est une coalition fictive, ça ne donnera rien du tout. D'accord. On ne souhaite pas. On a besoin d'une opposition forte, hein, un peu comme ce qui s'est passé dans les pays que vous aimez si bien citer. Alors, de votre côté, vous travaillez pour maintenir le champion.
Oui, le problème n'est pas de maintenir les champions, mais de maintenir le RDPC dans sa posture. C'est ce qu'il faut clairement retenir. Mm-hmm. Et il faut bien le dire également, lorsqu'on parle d'élection, je suis d'accord avec M. le maire lorsqu'il vous dit on va tenir compte du bilan. Oui, c'est vrai, mais maintenant je peux respecter que M. le maire, le bilan pour lui, pour le RDPC, est peut-être zéro, mm-hmm. mais n'est peut-être pas 10, j'allais dire, mais pas 10 ou 10, j'allais le dire, mais que les n'est autres. Pas 10, 0. Oui, n'est pas 10 ou 10, mais rassurez-vous, il n'est pas zéro. Donc, il y a des choses à dire aux populations, il y a des choses à dire aux Camerounais qui penseront qu'ils gagneraient encore à laisser le RDPC pour poursuivre les actions. D'accord, on verra bien. 2025 n'est plus très loin. Peut-être 2024, il y aura des élections anticipées, on n'en sait rien. Le calendrier électoral sera communiqué par le président de la République, on le sait, dans d'autres pays. Maître Le Joachim, merci d'être venu sur le plateau. Acceptation de dernière minute. Docteur Marcel Simo, sociologue RDPC, merci. Serge Alexis Lombard, DIBAC, merci d'être venu. Je vous rassure que Canal 2, surtout le débrief de l'actualité, ne censure pas les gens. Vous exprimez comme vous voulez. C'est une liberté d'opinion. Donc, il n'y a pas un problème de ligne éditoriale et quoi que ce soit ici. Mesdames, Messieurs, merci. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous retrouve demain avec d'autres invités et une autre thématique. Juste derrière, le 19h50 avec Alain Sinakanda. Bonsoir.